Alors, je vous montre comment je fais mes chevilles. Alors, j'utilise une coutre. C'est un fendoir, c'est une coutre que d'hirondelle. À cause de ça. Donc, je prends des bûches, tout simplement. Je les ai coupées à 30 cm de long. Mes poutres, elles font en moyenne entre 15 et 20 cm d'épaisseur. Donc, ça laisse un peu de marge. Et puis, je viens les fendre. D'abord, je les fends la bûche à la moitié, ensuite en quart. Et après, dans un quart, je coupe la pointe et je la refends en deux. Je vais vous montrer ça. Donc, il faut du bois sec, hein, c'est mieux. Donc là, je suis à un quart. Je vais leur découper au milieu. Si jamais ça vient pas, on peut utiliser une massette. Voilà, donc ça me donne cette section là. Donc là dedans je peux tirer une cheville de chaque côté. Ça me permet d'avoir la cheville qui est bien de fil et qui sera dans du quartier principalement. Donc là j'en suis là, hop, je viens enlever les deux coins. Et voilà, ça me donne ça. Donc là, ça passe dans ma boîte à chevilles. Et après, je les passerai au rabot. Donc voilà toutes mes chevilles fendues, j'en ai une vingtaine à faire là. Donc je me suis fait une boîte à chevilles. Donc si on peut prendre les mesures, c'est des chevilles qui vont faire à peu près, là la boîte a fait 35 de long, ça me permet de faire des chevilles assez longues, mais les morceaux ils font 30. Donc en bout ici, je sais pas si on va bien voir. On est à peu près à 26-27 mm. Et en bout, si on se met à peu près à 30 cm, on est à 20 et quelques. 21-22. Donc ça me permet de faire des chevilles un peu effilées. Sachant que mes trous ils font 23 mm. Donc ça devrait coller. Donc là, je vais vous montrer comment je fais ça au rabot. Je vais en faire une entièrement. Donc là j'ai calé parce que j'avais fait ma cale trop profonde au départ. J'étais à 30 et ça le fait pas bien à 30. Donc voilà, je vais me mettre là.
Donc je fais ça au rabot. Je me prévois une petite cale pour caler la cheville. Hop. Donc je viens la mettre ici. Je viens faire une première face plane. Donc là j'ai mon premier plat, comme on peut voir. Ici je viens la caler le plat contre le bord de la boîte. Ça va me permettre de faire la deuxième face perpendiculaire à la première. S'il veut bien ne pas bouger. Donc voilà, on a bien nos deux faces perpendiculaires. Et maintenant, je continue de tourner. Et le but, ça va être de venir araser ici le dessus de la boîte à cheville. Ce qui va me permettre d'avoir ici 26-27 mm. Et au fond, d'être à peu près à 20-21. De faire attention de ne pas attaquer la boîte, le dessus, parce que si on en fait une centaine, au fur et à mesure nos chevilles seront de moins en moins épaisses. Hop. Donc là je viens faire la dernière face. Donc là ça me donne une cheville à peu près propre. Donc je vais desserrer, je vais vous montrer de côté. Là je l'ai fait une par une, mais normalement je les aurais toutes faites à la chaîne quoi. Donc de l'autre côté. De l'autre côté j'ai fait le même principe, mais avec un angle, comme on peut voir. Ce qui va me permettre de garder la cheville dans le même sens et de faire les arêtes. Donc là c'est pareil, à la base c'était prévu pour des chevilles de 30, enfin de 28. Donc là je cale avec une vis, la tête de vis, ça suffit pour rehausser légèrement. Et donc je vais faire mes arêtes ici. Et de sorte que ça fasse un octogone. Je m'arrêterai à l'octogone et puis après je vous montrerai la suite. Donc c'est parti pour la suite. Là, j'essaie d'être régulier
Ici, je vois que je peux bouffer un peu plus sur ces deux côtés-là, donc je vais rattaquer un peu. Voilà. Ici, on est bien. Il faut toujours se laisser une petite marge de retouche à la fin. Tac. Donc là, on est bon comme ça. Et après ici, je me suis fait un trou à la taille de ma cheville finale, qui va faire 23 mm. Donc je viens fixer le morceau comme ça. Je viens rentrer ici. Donc on voit que ça rentre en partie. Voilà, avec les angles qui touchent un peu partout. Donc là, le but, ça va être de raboter les angles pour que ça passe jusqu'à à peu près 6-7 cm du bout ici de ma cheville. Donc là, je le fais tout simplement comme ça. Donc là, si on n'est pas habitué avec le rabot, il faut le faire soit avec un plus petit rabot ou maintenir sa pièce. Mais là, ça va bien comme ça. Voilà, j'ai fait quelques tours, je réessaye. En forçant un peu, ça s'enfonce un peu plus. Donc là, ça veut dire qu'il s'enfonçait jusque là. Donc je vais insister à partir de là sur le haut. Donc si on regarde, c'est à peu près rond là sur le devant. J'en prends un peu à reprendre. Voilà. Là, c'est nickel. Donc ben voilà, ça s'en est pour une. Donc ça prend quand même un peu de temps. Et il me reste une vingtaine à faire.